Naona namana niarakuru titsy taratrema Sidokan vitana tsara vorokan fiavanana nosena Vola serena nanana oaneka mety tapitraratrema. Cette semaine a lieu le séminaire, le premier séminaire de l'école doctorale régionale que soutient le bureau océan indien de l'Agence universitaire de la francophonie. Cette école doctorale porte sur la thématique langue, pluralité et développement. Il est né comme projet à la conjonction d'un certain nombre d'événements. D'abord, un passé de collaboration avec les institutions de l'océan Indien, un certain nombre de séminaires qui ont eu lieu. Ensuite, pour le bureau océan Indien, l'adhésion de nouveaux membres venant principalement de l'Afrique du Sud qui nous mettaient en face d'un réel problème de la pluralité et du plurilinguisme déjà présent au niveau des États insulaires. Et le troisième élément, ça a été la mise en place d'un projet au niveau de l'AUF, et c'est celui qui a apporté le plus de moyens pour le moment, le projet Horizon francophone. Ce projet a pour objectif principal la mise en réseau d'un certain nombre d'institutions membres pour que dans les établissements du Sud, il n'y ait plus d'enseignants qui ne soient pas docteurs. Donc favoriser la recherche doctorale et la mise en réseau d'institutions pour pouvoir renforcer aussi bien les capacités du corps professoral que développer des pratiques de recherche de haut niveau, fidèles en cela à l'argument principal de l'AUF, la science en français, mais aussi donner toutes ses chances à l'excellence. Et cette réunion de ce jour est l'aboutissement d'un projet qui a été mûri depuis 2009 à travers trois ateliers, un à La Réunion, un à Maurice et un autre en Afrique du Sud. Je viens d'arriver à Tana, donc à Madagascar, où je suis venue pour participer dans un séminaire de l'école doctorale régionale. Et je viens du Swaziland. Au niveau doctoral, il n'y a aucun accompagnement. Donc je me suis trouvée vraiment isolée. J'ai eu du mal à faire mes recherches. Ça a pris beaucoup plus de temps que si j'avais pu être incorporée dans une école régionale comme celle qui est proposée ici. Donc je crois que c'est très important pour le développement des études doctorales au Swaziland, mais aussi dans la région. Je suis professeure d'anglais au lycée et je suis enseignante vacataire à l'école normale supérieure. Et je suis inscrite à l'école doctorale de l'école normale supérieure. Je suis très satisfaite de savoir, de connaître que nous avons bénéficié des séminaires qui vont enrichir notre recherche et qui va nous initier à la communication scientifique que nous avons vraiment besoin. Et aussi pour nous initier à la pluridisciplinarité. L'université comorienne est une université très jeune, parce qu'il faut voir, elle n'a même pas encore 10 ans de son existence. Elle n'a pas encore le niveau doctoral. Certaines filières ont jusqu'au master, tout simplement. Donc je crois bien que l'école doctorale pourra servir de relais pour ces travaux commencés à l'Université des Comores. Je crois que c'est pour ça que tout à l'heure je disais que c'était très 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 important aussi pour c'est très utile, c'est très important aussi pour les Comores. L'école doctorale régionale a donc sélectionné 12 boursiers de la zone océan Indien Afrique australe qui représentent 6 domaines scientifiques dans le domaine des sciences du langage jusqu'à l'anthropologie en passant par donc la didactique des langues, etc. Et donc ces boursiers bénéficient d'une formation
complémentaires à leur formation académique dans leurs universités respectives. Donc, qui leur permet de côtoyer leurs pairs des différents pays et donc un réseau de formateurs qui constitue le réseau scientifique de l'école doctorale. Mais la tendance et notre politique au niveau de l'école doctorale est effectivement de rechercher la co-tutelle, car c'est la formule la plus valorisante pour les doctorants. Ce que j'ai pu constater, c'est que l'EDR permet, déjà encourage les étudiants, nos doctorants, à terminer rapidement leur thèse, donc, puisque c'est prévu pour 3 ans maximum, et ils n'ont pas intérêt à traîner, comme d'habitude. Et puis, cela stimule aussi, c'est aussi stimulation pour les étudiants, puisqu'ils se retrouvent en groupe, ils travaillent en groupe, et il y a la création du blog d'hier pour des travaux en commun, et c'est vraiment très important, très intéressant. Ravie de pouvoir participer à cette école doctorale, parce que déjà, il y a un problème de relève au niveau des ressources humaines de l'enseignement supérieur. Et cette école doctorale régionale permet justement d'assurer un élément clé de cette contribution à la politique de relève. Je crois aussi que pour les membres du conseil scientifique, c'était très bénéfique aussi. Malgré qu'on vient de réseaux différents, on a l'impression de former une équipe. Et donc les interactions entre les membres de différents réseaux, de différentes régions, a été bon pour moi personnellement. J'ai appris beaucoup de choses en parlant à mes collègues de Madagascar, de la Réunion, etc. Et donc, dans ce sens-là, j'ai trouvé ça très positif. Et en conséquence, le résultat sera positif pour les étudiants aussi, parce qu'on comprend dans quel système ils fonctionnent. Donc là, il y a une masse importante de chercheurs venant de différents pays qui sont ensemble pour construire un projet de coopération régionale, ce qui est dans l'air du temps et qui apporte une caution scientifique à tous les efforts de développement qui se font dans la région et qui ne peuvent plus se faire de manière isolée. Ce sont des îles, 3 petites îles perdues dans l'océan Indien, où les chercheurs sont vraiment isolés. Ils se sentent très seuls et surtout le poids du contexte socio-économique difficile pour les collègues comoriens. Mais pour les collègues comoriens, l'EDR permet aux doctorants donc, de vraiment s'ouvrir au monde et de se mettre au diapason de la recherche scientifique, c'est très important. Donc l'EDR pour les Comores, et j'espère que la prochaine fois, il n'y aura plus de candidats de sélectionnés pour l'université. Moi, je ne vois pas plutôt de difficultés, je vois plus de nécessité de moyens qu'il faut mettre quand même en place pour les universités nanties, afin que de tels projets puissent avoir un impact dans le sens d'ancrage. Et pour ajouter, pour moi, c'est une question d'ouverture. Donc, comment c'est l'ouverture de l'AEF à accepter en son sein des universités qui ont des intérêts, des échanges avec la France ou avec les pays francophones, mais qui n'est pas une université francophone, ce qui permet dans la région, dans cette école doctorale aussi, des échanges entre universités francophones et non francophones. Et je pense que ça c'est un manque dans la région. La dimension pluridisciplinaire aussi, nous avons 6 domaines disciplinaires qui parcourent les sciences humaines et sociales. Et puis, bien entendu, j'allais dire, cette volonté de prendre en compte l'altérité pour effectivement, dans une perspective de développement, puisque le titre de l'école doctorale, langue, pluralité et développement, comporte cet objectif. Donc, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une utopie? Moi aussi, je ne pense pas que ce soit une utopie.
Le contexte donc, est trop évident et je pense que la variété de langues dans chaque pays et puis en Afrique aussi fait que c'est urgent que les chercheurs et les experts se mettent à les étudier. Et je pense qu'à partir de l'école doctorale, donc cette possibilité nous est présentée. Et c'est là une occasion de croiser les expériences par rapport à la pluralité des langues et au plurilinguisme aussi. C'est plutôt un défi. Mais si on se donne comme un défi, comme la collègue a dit tout à l'heure, mais aussi comme une finalité prioritaire, première de l'EDR, de vraiment construire quelque chose dans les programmes de recherche concernant la pluralité, alors là, on peut se dire qu'on peut vraiment avancer de façon sereine. Le bilan de ce premier séminaire de l'école doctorale régionale Langue, Pluralité et Développement est très positif. Il reste maintenant à travailler, à faire connaître cette école doctorale auprès des partenaires, auprès des institutions membres, pour qu'il y ait le maximum d'implication des universités, des États, des opérateurs économiques, et de tous ceux qui croient que la diversité est une richesse. Naona namana niarakurnu ditsi taratrema sdukan vitana tsara vorkan fiavanana nosena. Vula serena nanana wane kamet tapitara tema Azami ya vunavuna lote na ufanfi ya vana na zerena Luman sikia tani amban vui chani ya rantun fumanga Angetine na wane famutu surutu trafani ya alavan sanga.